Guide complet des défis, l'utilitaire, c'est pas banal, de Fortnite. Percer le bouclier d'un adversaire ou se faire percer son bouclier. Donc pour réaliser ce défi, je pense qu'il parle du bouclier qu'on a en début de partie. Donc là, en bas de ma vie, j'ai un bouclier juste à côté de 50 PV. Et je pense que c'est de ce bouclier-là qu'il parle. Donc ça veut dire que vous allez devoir casser le bouclier d'un adversaire ou alors vous-même vous le faire casser. Donc on va chercher un adversaire et on va essayer de faire ça pour voir si ça fonctionne. Ok, donc j'ai un joueur devant moi, je vais essayer de l'attaquer. Donc là, voilà, c'est bon, j'ai réussi à lui percer son bouclier. Donc c'est bien le bouclier de 50 qu'on a directement en début de partie. Dès que vous aurez cassé le bouclier, ben là vous aurez terminé le défi. Regagner des PV ou du bouclier grâce à des renforts. Alors pour réaliser ce défi, il faudra débloquer un renfort. Donc pas, je pense qu'il y en a plusieurs, hein, pas spécialement un seul renfort. Mais regardez, ici j'ai guerre des buissons, donc regagner des PV et une partie du bouclier quand vous êtes dans la végétation épaisse. Sauf quand vous êtes dans la tempête. Donc là, hop, j'active mon atout, mon renfort. Et là, quand je suis dans le buisson, voilà, juste ici, regardez, hop. Et ben là, je gagne des PV et je gagne du bouclier. Donc vous allez devoir gagner des PV et du bouclier grâce au renfort. Donc avec, il y a plusieurs renforts qui vous permettent de gagner de la vie ou du bouclier. Donc grâce au renfort, vous allez devoir gagner 250 points de bouclier ou de points de vie pour terminer le défi. Relancer des renforts dans plusieurs parties. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est d'attendre d'obtenir un renfort. Ensuite, appuyez sur la touche adéquat. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est maintenir carré ou la touche adéquat pour relancer le renfort. Donc regardez, hop, je le relance et là, je l'ai fait dans une partie. Donc il va falloir le faire dans 5 parties différentes. Donc vous faites ça 5 fois pour terminer le défi. Marquer des adversaires en une seule partie. Alors pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Moi, ce que je vous conseille, c'est de trouver le faucon de reconnaissance que vous voyez juste ici. Vous pouvez le trouver dans des coffres adoubés, dans des coffres normaux. Vous pouvez le trouver posé au sol comme ça sur Fortnite ou dans des ravitaillements. Donc pour vous aider à trouver des coffres adoubés, je vous affiche une map avec tous les emplacements des coffres adoubés de Fortnite. Parce que tout simplement, les coffres adoubés ont de grandes chances de vous donner le faucon de reconnaissance. Ou alors, vous avez une autre solution, c'est de marquer les ennemis avec votre ping. Donc, dès que vous voyez un ennemi, vous faites 2 fois X. Enfin, je ne sais pas si ça va vraiment fonctionner. Je pense que oui, hein. Il faut vraiment être dessus, je crois. Je vais essayer avec celui-là. Non, même pas, ça marche même pas, hein. Ouais, donc non, ça marche pas. Ou alors, il faut peut-être utiliser des renforts. Si vous utilisez certains renforts, ça peut fonctionner aussi. Il y a des renforts spéciaux que quand vous utilisez une arme, ça fait en sorte que ça marque l'ennemi si vous le touchez. Donc moi, ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de le faire en foire d'empoigne. Comme ça, quand vous allez lancer votre faucon, eh ben, vous allez, même si on vous tue, parce que vous êtes vulnérable, hein, quand votre faucon est déployé, vous êtes vulnérable. Donc quand on vous tue, ben, c'est pas grave, vous allez pouvoir réapparaître et vous allez pouvoir réutiliser votre faucon. Donc là, regardez, je suis en train de marquer les ennemis et ça fonctionne bien. Vous avez juste à les regarder, à les viser et ça marque directement l'ennemi. Alors, il faut faire attention parce que votre faucon a une barre de vie. Alors, si la barre de vie explose, enfin arrive à zéro, je ne sais pas si vous pouvez le réutiliser. Par contre, si elle n'arrive pas à zéro, enfin que le faucon ne se fait pas détruire, on va voir si je peux le réutiliser. Je ne suis pas sûr. Là, je crois que c'est quelqu'un qui m'a tué en fait dans la partie. Ouais, c'est quelqu'un qui m'a tué dans la partie. Donc là, je vais pouvoir réutiliser mon faucon. Donc hop, je le relance. Et là, je vais tout simplement remarquer les adversaires. Alors, il faut savoir qu'il faut marquer un total de 10 adversaires en une seule partie. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller en foire d'empoigne pour le faire. Donc là, je suis déjà à 4 sur 10. Et je fais ça en illimité. J'aimerais bien voir. Là, c'est le signal, il est faible. Donc, ça veut dire que je dois retourner dans la zone. Enfin, près de mon personnage. Mon personnage subit des dégâts. Ok, c'est parce que je suis en hors zone. Enfin bref, vous avez capté le délire. Dès que vous aurez marqué 10 adversaires en une seule partie avec votre drone, bah, vous aurez terminé le défi. Regagner du bouclier ou en faire regagner à d'autres joueurs alliés. Alors pour réaliser ce défi, soit vous regagnez du bouclier par vous-même. Donc moi, c'est ce que je vais faire en utilisant des petites potions ou des champignons ou tout autre objet qui me donnera du bouclier. Ou alors vous pouvez utiliser par exemple, un baril de bleuvage, aller près d'un allié et lui donner du bouclier. Donc, pour terminer le défi, vous allez devoir donner 50 boucliers à un allié ou 50 boucliers à vous-même. Et vous avez plusieurs étapes, donc vous allez pouvoir le faire plusieurs fois. Et dès que vous aurez fini toutes les étapes, ben, vous aurez terminé le défi. Marquer des adversaires. Alors, soit
Vous marquez des adversaires grâce à vos atouts, soit grâce à une arme qui marque les adversaires quand vous tirez dessus. Après, vous pouvez toujours essayer avec le ping, mais je pense que ça ne fonctionne pas. Quand vous essayez de pinguer un adversaire, ça ne fonctionne pas, je crois. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est fortement d'utiliser le faucon de reconnaissance que vous allez pouvoir trouver dans des coffres adoubés, dans des coffres normales, posés au sol comme ça, un peu partout sur Fortnite. Donc là, vous utilisez votre faucon de reconnaissance. Et là, vous cherchez des ennemis. Dès que vous allez voir un ennemi, vous le visez et vous allez voir qu'il va être marqué directement. Et pour terminer le défi, vous allez devoir marquer plusieurs adversaires parce que c'est en plusieurs étapes. Il y a 5 étapes au total, donc je pense qu'il faudra marquer une histoire de beaucoup d'adversaires, je pense. Hein. Donc là, regardez, j'ai marqué un adversaire qui était juste en dessous de moi. Regardez, là, il y en a un. Hop, je le marque. Et vous faites ça en illimité. Et quand vous aurez marqué assez d'ennemis, ben, vous aurez terminé le défi.